C'est à Paris, par une froide matinée d'hiver, que nous avons retrouvé Jessica Marquez et Emma Domas. On part sur la route? Oui, on va le bus de Starac. Allez. Dans cet illustre bus qui nous amène vers l'Est, c'est tout de suite la bonne ambiance. On va venir vous embêter un petit peu, vous expliquer. C'est la première fois qu'on fait une surprise à deux chanteurs, à chanteuses. Donc déjà, on vous remercie. Vous vous connaissiez avant? Oui, oui. C'est bien. C'est bien. Donc on va rencontrer deux petites filles qui sont, alors évidemment, fans de la Star Academy. Elles ont toutes les deux 11 ans. Elles habitent à 5 km l'une de l'autre, donc elles sont assez proches. Et donc Pauline suit depuis le début Jessica et Lorraine suit depuis le début Emma. Mais c'est Pauline que Jessica rencontrera entre eux. Là, voilà. Elle est belle, hein. C'est une petite fille, alors, très très dynamique, très vive, très bavarde. Ouais, voilà, elle est très éveillée. Elle a son petit caractère. Hein. Et on voit sur les photos, enfin, là, on a pris... C'est une fan de jazz, elle peut qu'avoir un petit caractère. C'est Emma qui l'a dit. Et sa petite cousine, c'est Lorraine. Alors voilà, ça c'est la tête de Lorraine quand elle est surprise, donc je pense que Emma... Emma, je pense que c'est ce que tu verras tout à l'heure. Voilà. Alors, Lorraine, elle chante tout le temps. D'accord. Voilà, et il paraît qu'elle rit et qu'elle sourit autant qu'elle chante. Apparemment beaucoup plus douce et plus sensible que Pauline. Et sa maman nous dit que même sa sensibilité, quelquefois, ça se transforme un peu en timidité. Donc elle partage cette passion. Elles sont allées toutes les deux au concert de vos tournées respectives. Donc c'est évidemment leur rêve de rencontrer. Et donc on va le réaliser alors. Donc la surprise, elle va se passer en deux parties. Pour commencer, Pauline, qui partira en voiture avec son frère, tombera en panne et c'est Jessica en personne qui viendra la secourir. Quand Jessica a fait la surprise à Pauline, en fait l'idée c'est que tu la prennes par la main et que c'est qu'elle devienne ta complice avec Emma, que vous allez retrouver, pour faire l'autre surprise. Donc on a été un peu dur avec Lorraine, c'est-à-dire quand elle va arriver à la maison, que sa cousine va l'appeler en disant « Viens voir à la maison, j'ai quelque chose à te montrer », et qu'elle va voir que Pauline a eu la chance de rencontrer Jessica, elle sera contente pour sa cousine. On va se dire « Oh, elle a de la chance, c'est pas moi ». Ouais. Et 3 secondes plus tard, voilà. Emma descend. Voilà. Donc ça va, elle va pas souffrir longtemps, non, ça va. Pendant ce temps, chez Pauline, la famille est réunie comme tous les samedis. Merci. Vous êtes en feu, là. Cédric, tu es en feu. Oh, t'es gentil. Il y a Anne et Gérard, les parents, Cédric, le grand frère, et Virginie, la sœur. Sans oublier la meilleure amie de Pauline. C'est qui? Jessica. D'accord. À quelques kilomètres de là, le bus des filles s'arrête pour les derniers calages. Mais depuis toi, le fil du temps n'est pas si droit. Tu seras... Bravo! Tu vois comme ça? Très très bien. Il est mortel ce titre. Ouais, il est bien. Ah, grave. Tu seras 11e dans le top. Avec ce tube d'enfer. Tout le monde est prêt. Une partie de l'équipe va précéder Pauline sur le lieu de la panne. Agathe, c'est bon, le frère il peut partir de la maison. Chaque semaine, Pauline va faire des courses avec son frère. Chaque semaine, ils partent à la même heure et passent par le même chemin. Attends, tiens, il est là. Tu mets tes baskets? Mais aujourd'hui, rien ne se passera comme d'habitude. Bizarre. On verra bien. Si je casse sa voiture, Pauline, toi qui le connais bien, tu crois qu'il sera pas content? Tu vas faire tuer. Ah ouais? Cédric, qui mériterait un César pour son interprétation, commence par inventer un problème technique. C'est normal ça? Bah non, pas trop, non. Ah, ça fume encore. Hein. Bon, garde-toi du côté et puis... Ouais. Bon, je vais faire demi-tour. Ouais. On va voir avec papa parce que... Bah, je préfère... Puis malheur, c'est la panne. À l'endroit précis indiqué par notre équipe. Tu repars pas? Si, si. Mais j'aimerais bien, mais ça me fait bizarre. Ouais, il arrête pas de caler. Alors. Oh là. Oh lolo.
Ouais, je te dis, sors de la voiture. Comme convenu, ouais, Cédric téléphone à son père. J'ai un petit souci avec la voiture, là. Tu t'es vachement bien mis, toi, aussi. Hein. Je sais pas, elle a calé. Et elle redémarre plus. Ok. Bon, on attend là. A tout de suite. Ils envoient une dépanneuse. Bon, c'est bon, là. Ok, on y va. On va sur le lieu de la dépanneuse. Il vaut mieux ne pas traîner. Malgré notre véhicule très discret, nous commençons à nous faire repérer. Et pour rejoindre la dépanneuse qui les emportera faire la surprise, Emma et Jessica vont devoir passer devant Pauline. Attention, voilà, c'est la voiture qui est en panne. Là, il faut vraiment ralentir, monsieur. Voilà, tout doucement, monsieur, doucement. Mais pas trop, que vous voulez pas, vous voulez pas. Non ! Arrête ! C'est quoi ? Regarde, mais... Regarde... C'est le but. Non, vas-y, c'est quoi le délire, là ? C'est le bus de l'Astarcadémie. Ah bon ? Oui ! Bien sûr, regarde. Ouais, mais... c'est bon, je vais aller les chercher. Mais oui, ouais. Je vais reprendre l'appareil photo. En plus, il passait tout doucement, j'aurais eu le temps. Bah ouais, mais qu'est-ce que je te dis, moi ? Ça se peut pas. Bah c'est quoi? Mais ça se peut pas, mais il n'y a jamais personne qui vient ici. Ça m'énerve. Quand tu vas raconter ça à ta cousine? Elle va pas me croire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va pas me croire. C'est vrai? Elle va pas me croire. Pourquoi ta cousine, elle est fan de Star Academy aussi? Jessica, pareil? Non. Non, qui ça? Non, Emma de la deuxième Star Academy. Elle l'a vu? Ouais. Première opération réussie. Elle a vu le bus. Ça te fait monter la pression ou pas? Menteuse. Menteuse. La menteuse. Moi je le traque. Voilà. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai pas peur. Oh. Toujours avant de chanter. Tu sais, les gens attendent beaucoup de toi. Mais t'as tellement peur de décevoir que voilà, t'as... C'est un tout, puis c'est chez moi aussi. Hein. Que ce soit une personne ou 10 000, c'est pareil. Hein. Ouais. Et c'est peut-être même pire quand c'est une. Exactement. Alors ça, c'est à tout à fait raison. Dernière étape avant la surprise, les deux princesses changent de carrosse pour soigner leur effet. Dès qu'on tourne à droite, on est sur la petite route. Ah ouais, carrément. Au bord de la route, Pauline commence à s'énerver. Bien sûr, personne s'arrête pour nous demander si ça va pas. Bref, tu sais, on n'a pas l'air vraiment très en panne, quoi. Il regarde, il rigole, mais ça va pas. Elle n'a pas encore remarqué la dépanneuse qui se rapproche. Ah, si ça se trouve, c'est ça, tiens. Maria Magdalena, cette année-là, Maria Magdalena, n'aimait que toi. Maria Magdalena chantait dans tes bras, dans sa robe de soie, tu la reverras. Elle a bien changé. Cette chanson s'efface, elle ne les oubliera pas. Elle pleure parfois, mais tout bas, c'est ton histoire. Un air de guitare déchire ta mémoire. Dis-toi qu'elle chantait pour toi, que cette année-là, elle t'a donné sa voix. Chante avec moi. Maria Magdalena, chantez dans tes bras. Dans tes souviens-toi du côté de Palma. Le cœur à fleur de peau, tu t'es dit pourquoi pas. Magdalena, Maria Magdalena, chantez dans tes bras. Allez, souviens-toi du
Tu sais pas quoi dire. Non. T'as pas l'habitude parce que tu parles, t'as la langue bien pendue quand même. Oui, mais là, j'y crois pas. J'arrive pas à parler. C'est pas grave. Je vais te présenter quelqu'un. Ouais. Oh là là. T'as vu? Oh là là. Bonjour, Pauline. Bonjour. Alors là, non, c'est bon là. Ça va? Oui. C'est une belle surprise, hein? Oui. Ça va, allez, on va se réchauffer, on va aller chez toi. On va préparer la surprise pour ta cousine. Ouais. Et on va passer toute l'après-midi avec toi. Ouais. Chez toi. Allez, on t'embarque. Ouais. On t'embarque. C'est parti. Ouais, parce que tu vas voir, ça bouge. Allez. Il s'agit maintenant de foncer chez Pauline pour mettre en place la surprise de Lorraine. Ma cousine, elle essaye de faire tout pareil que toi, tout. Ah bon? Elle a acheté une casquette, tu sais, comme toi tu mets. Elle met la casquette tout le temps. Même j'étais chez ma cousine quand t'avais déjà fait Star à domicile. Avec une... Ouais, ben, j'ai regardé. Je fais, elle a de la chance, celle-là. J'étais dégoûtée en train de regarder la télé chez ma cousine. J'étais dégoûtée. Bon, maintenant, c'est à ton tour. Ça y est, ça descend. Ça descend. Ça descend. D'où tu viens, Pauline? Bah alors? D'où viens-tu, Pauline? C'est toi qui pleure, c'est moi qui devrais pleurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Maman, elle craque. Bonjour, Jess. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bon, tu... J'ai vu la dépanneuse arriver. Et puis j'ai entendu la chanson. Quelle chanson? Maria Magdalena. Alors, je me suis dit, le gars de la dépanneuse, il écoute ça. J'étais contente. Après, je l'ai vu sortir, j'étais... Et qu'est-ce que t'as fait quand tu l'as vu? Rien, j'arrivais pas. T'arrivais pas? Je réalisais pas. C'est quoi, là, à ton avis? Parce qu'il y a Emma, hein? Ouais, on va appeler Lorraine. On va appeler Lorraine? Allez, vas-y. Lorraine, la petite cousine, n'habite qu'à quelques minutes de la maison de Pauline. Avant de l'appeler, il faut donc commencer par cacher Emma. Allez, je vais attendre là. On voit que t'as des posters. Oui. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô? Oui? Tu peux me passer Lorraine? Oh, salut Pauline. Salut. Moi, je veux bien, mais tu dis bonjour. Bonjour. Ça passe. Ouais. Allô? Allô? Salut. Viens chez moi, il y a une surprise. Il y a un super truc, je vais te montrer quelque chose. On arrive. C'est une super surprise, hein? Ouais. À tout de suite. Salut. Dans la chambre, Emma entend tout ce qui se passe en bas. J'espère qu'il y a quelqu'un. Attends encore. Salut. Viens. Viens. Bon. Mais rentre. Bonsoir. Bonjour. Lorraine. Non. Bonjour. Commence déjà à pleurer. Tu t'attendais pas à ça? Non. Non, tu t'aurais voulu voir quelqu'un d'autre peut-être. C'est qui ta chanteuse préférée? C'est Emma. C'est Emma? C'est pas vrai. On m'a bien appris à toujours tenir la distance. Tu vois, on a eu l'esprit de nous interdire la première chance qu'on a. C'est toujours le même pas de danse, les mêmes révérences. 100 fois, mais depuis toi, le fil du temps n'est pas si droit. Tu seras, tu seras. Et
demain sera bien plus grand, demain sera bien plus grand. Tu seras mon futur à présent, mon chemin face au vent, pour vivre à tous les temps. Tu seras mon futur. Émotion-là, tu t'attendais pas? Non? Pas du tout? Tu peux rien! Dis quelque chose! L'oreille. Dis quelque voilà. chose, écoute, tu lâches et t'attends, là. Attends, elle est à côté de toi. On veut entendre le son de ta voix, quand même. Hein. Je sais pas. Ah, je sais pas. Je suis pas partout. Il y a des toits partout. Mais regarde, elle est assise sur ton lit, tu vas dormir ce soir. Regarde ça. Et maintenant, ah. Star Academy à oh, Bidon, tu veux venir? Comme ça, tu les vois en vrai. Allez, ça va. Génial. On va voir les petites poussins. Ouais. Pas tellement bisé toutes les deux. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Regarde, elle est là, Maria Magdalena chante dans tes bras. Soit tu la reverras, elle a bien changé.